Quand ils vont finir les baptisés, tu vas les donner. Je vais aller, tu vas Jonas, là-bas. Ah, souvent tu vas pas les gens là-bas. Vous parlez dans la caméra, c'est pas pour bon. Ennuyer quand même. Jonas, nous te baptisons au nom de Jésus. Tu es voir, mais tu restes avec Jésus qui nous a Maintenant, au nom de Jésus. Gabriel.
ta parole. Il sera prêt.
Ne chante pas, il faut la vie de chanter. Ah, c'est quoi ça? D'accord. Restez là-bas, ils viennent vous chercher. Restez en haut, ils viennent vous chercher. D'accord.
Sinon, vous allez vous blesser inutilement. Voilà. Vous allez me battre pour vous. Voilà, vous venez, les hommes, les frères, allez les chercher, une à une. Quand vous finissez avec quelqu'un, vous le ramenez. Donc, retournez. On va pas faire ici, on va pas faire ici. Hey, on va attendre là-bas d'abord.
laissez vos robes. Laissez vos robes. Samuel. Samuel. Et tu sors, je vais attendre là-bas. En attendant, continue avec moi. Je ne veux pas voir une femme seule ici. Je vois une femme avec un serviteur qu'on l'amène. Et qu'on ressort. Voilà. D'accord. Allez, béni. Frère, viens accompagner la soeur. La paix va vous faire glisser inutilement. Voilà. Pas sachez, papa, on va faire les yeux ici. Viens prendre la paix, viens prendre la paix. Les yeux dans la barque, chapelle. On va te laisser seul dans l'eau. On va quitter l'eau. On va quitter les yeux, on va te laisser les yeux. Alléluia. Tu as peur d'aller au ciel? Maintenant,
c'est la connexion. La connexion rate. Je ne veux pas que les gens soient nombreux, les personnes, c'est pas bon. Il faut donner du passage. On dit de venir un à un, un à un. Donnez passage. Hein?
quel âge? On est 10 ans en bon. On est 10 ans en bon. On va 6 ans aussi. Je t'ai fait toutes les prières avant d'entrer dans le monde. Je suis avec lui. Comment te laisser Seigneur Saint-Esprit, je prie maintenant. Je prie maintenant. Que ton esprit la remplit. Que tu la remplis maintenant. Qu'elle soit remplie d'offre. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit. Il te 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 remplit. Tu reçois. 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 Tu reçois le palanin. Tu reçois le palanin. Tu reçois les dons de vision. Des dons de vision. Des dons de vision. Tu reçois le puissant de guérison. Tu les reçois. Tu les reçois. Tu les reçois. Oui, le feu du Saint-Esprit remplit. Ça te remplit. Ça te remplit. Thank you.
Je vois la fin.
Gabriel, tu dis, quand tu finis, tu t'arrêtes là-bas, après le match. Quand tu finis, tu t'arrêtes là-bas, quoi. Sinon, tu vas toujours bloquer le caméra. Amen. Alléluia. Voilà, Priscilla retourne ta gloire. Nouvelle version de Priscilla. Priscilla, venue de ciel. Alléluia. Amen. C'est fini? C'est fini? Oui, c'est fini. C'est fini? D'accord. Félicitations.
tu chantes les ténèbres. Tourne comme ça. Comme ça, le caméra va te prendre. Très bien.
Jésus. 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 Alléluia. Jésus-Christ a la victoire. Alléluia. Le baptême de tous les défis. C'est sous l'onction. Amen. Bon, André, tu vas prendre le bâton. L'onction de Dieu. André de Moïse. Alléluia. Nous revenons de la guerre, nous avons vaincu. Amen. Comme notre papa Abraham qui revenait de la guerre des rois et il les a vaincus. Amen. Alléluia. Ah, vraiment, c'était merveilleux. Le baptême dans la boue. C'est vraiment merveilleux. Laisse lever le tandoor. Ici là. C'est les gens qui ne veulent pas. On a eu plus que ça au Gabon. Il est rasé. Non, Gabon n'est pas bon. Gabon, il y a bon, mais c'est pas ça. C'est pas ce qui est bon. Ici là, la boule n'est pas bon. Tu avances vers derrière. Tu avances vers derrière. Nous soufflons. Amen. Pour baptiser les gens. Pour envoyer les âmes au ciel. On va te dépasser. C'est pas facile. Va derrière. Alléluia. Inscris les âmes au ciel. Le Seigneur nous envoie sur tous les terrains. Il nous envoie dans la boue. Et nous y sommes. Il nous envoie dans l'eau. Et nous irons. Il nous envoie dans le feu. Ce baptême une fois. C'est pas dit que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ c'est le vrai baptême. Amen. C'est le baptême qui donne la joie. Amen. Quand il t'a
J'espère que personne n'a rentré. Hein? Comment on est là? Fini d'abord. Approchez-vous, dernière recommandation. J'attends ceux qui traînent les pas. Venez par là, approchez-vous. Jésus vous attend. Vous voyez qu'il va pleuvoir, non? La pluie pour confirmer, pour arroser. Merci à Jésus. Le baptême. Amen. Alléluia. Amen. Alors à Jésus, j'attends les derniers, ceux qui traînent encore les pas derrière. Venez par là. Je suis tellement content. Tellement content. Tellement content. La moisson est grande. Tellement grande. Docteur Silas, stop les images. Le téléphone. Ah, tu prends les images encore. Voilà Jésus. Amen. Jésus. Jésus. Ça range un peu. Dis-le un peu. Voilà. Jésus. 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 Ah, c'est le mot de l'assemblement. Alléluia. Alléluia. Venez vous-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus me met à cœur de vous dire ceci. Vous êtes entré dans un nouveau royaume. Vous venez de faire entrer votre entrée dans un nouveau pays qu'on appelle le ciel. Amen. Et le ciel a sa constitution. Amen. Il a ses règles. Pour mieux vivre dans le nouveau royaume, voilà les choses que vous devez respecter. Gloire à Jésus. Amen. Le baptême que vous venez de faire, ça signifie que vous êtes définitivement mort. La personne qu'on connaissait hier, qui ne pardonnait pas, la personne qu'on voyait hier, dans les cabarets, dans les matins, devant des bouteilles de bière. Le barman est là. Donc, la personne qu'on voyait hier avec le tabac. La personne qu'on voyait hier avec les dessins animés. Ah, il y a un dessin animé d'arrêt. Dans les salles de jeu. Dans la salle de jeu pour PlayStation. La personne qu'on voyait hier, les nuits, hein, à partir de 01. On me renaît tout ma foi. Avec les collants serrés. J'aurais été mis collant n'est pas. Point. Cette personne sont déjà enterrées. Les tambours qui feront des bénéfices. Et ne peut plus jamais ressusciter. En tout cas. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous êtes devenu aujourd'hui une nouvelle créature. Tous vos péchés sont pardonnés. Amen. Aujourd'hui votre compteur est à zéro. Amen. C'est pourquoi si la tempête sera, vous êtes les premiers à aller au ciel. Amen. 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 Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Pour que Jésus vous enlève, le compteur sera toujours à zéro. On l'a mis en bas, on compte à partir de zéro. Zéro péché.
Aujourd'hui, chacun de vos comptes est à zéro péché. Mais il y a un grand défi que vous devez relever. Quel est ce défi? Vous devez garder ce compteur juste comme ça autour de Jésus. Aucun péché ne va rentrer. Si vous faites un seul péché, ça compte. Colère, il met. Insulte, il met. Manque de respect, il met. Quand ça passe de 0 à 1, c'est fini. Que vos anciens membres, la bouche, les yeux, les mains, vous servez avant à pécher. Aujourd'hui, Jésus va donner de nouveaux pieds, de nouvelles bouches, de nouveaux yeux, de nouvelles oreilles. Mais tous ces nouveaux membres que vous recevez, c'est pour la sainteté. C'est pourquoi désormais, on ne verra plus de vos bouts des paroles déshonnêtes. En tout cas, nous l'avons éloigné, des blagues, des plaisanteries. Blague d'arrêt. Alléluia. Qu'aucune de ces paroles ne sorte de votre bouche. Désormais, vous allez marcher dans la sainteté. Alléluia. Vous devez marcher dans la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas vêtement. C'est depuis le cœur. Voyez, tel qu'aujourd'hui, vous êtes plus, c'est brillant comme ça. Vous devez demeurer comme ça. Les gens viendront vous piétiner. Hier, quand on te fait comme ça, là, tu cries. Aujourd'hui, on va te piétiner. On va te piétiner encore. On va te piétiner encore pour voir ta réaction. Mais tu vas dire quoi? La personne qui dit voilà. C'est déjà bon. Cette personne a été enterrée définitivement. Il n'y a plus d'espoir de résurrection pour cette personne-là. Ça vous dit quoi? Vous devez résister. Alléluia. Au diable. Vous devez résister au diable. Et vous devez tuer les œuvres de la chair. La chair va vous tenter encore. Le mensonge va vous tenter. L'orgueil va vous tenter. La rancune va vous tenter. Mais vous devez tuer ces choses. Et désormais, que vos regards soient portés vers où? Alléluia. Vous devez désormais affectionner les choses d'en haut. Là où Christ est assis. Désormais, votre cœur regarde le ciel. Et maintenant, votre vraie vie là, est cachée. Alléluia. Votre vie est cachée maintenant. Est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ pour le moment. Ce qui s'est passé dans l'autre, ce qui est descendu est caché en Christ. Maintenant, celui qui est en vous, c'est Christ. Et lorsque Christ va apparaître, c'est là votre vie aussi va apparaître. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire ce travail. Vous devez persévérer. Si quelqu'un te dit on va boire l'alcool, il faut dire Kamoko, celui que tu appelles là, si tu veux je t'amène là, on l'a enterré. Alléluia, tu l'amènes ici. Il est là. Celui que tu vois, c'est le représentant de Jésus. Jésus.
Et maintenant, quels seront désormais vos devoirs dans le royaume? Vous savez, le royaume doit grandir. Vous venez de faire votre entrée dans le royaume, dans le royaume de la mais vous aussi, vous devez travailler. Vous le royaume aussi, ça grandit. Vous savez, c'est quoi? L'évangélisation. Il s'est déjà baptisé. Il a dit que ceux qui étaient baptisés ont revêtu Christ. Christ, Jésus vient de tomber. Donc, désolé, on va dire Christ. Quand quelqu'un te touche, il dit mais attention, je ne vais pas te toucher. Amen. On va toucher, on va toucher les pasteurs. C'est aussi de pouvoir plus te toucher. Ça, c'est ça le secret. Parce qu'aucun ceci ne pourra plus manger vos chers. C'est fini. C'est fini. Il tente là, même s'il fait comme ça là. Tout ça dans le monde. C'est pas là le problème. Alléluia. Donc votre devoir maintenant, c'est que le roi de Dieu s'agrandit. Le roi de Dieu doit s'agrandir. Lorsque un drogué sort de la drogue, le roi grandit. Alléluia. Lorsqu'une prostituée sort de la prostitution, le royaume grandit. Donc chacun doit travailler. Pour que le royaume de Dieu grandisse. Amen. Vous savez, quand vous faites ça, vous aurez vos récompenses au ciel. Vous serez couronné, chacun aura sa couronne. Je ne sais pas, mettez des couronnes. On va aller sur ta tête comme ça. Amen. Des couronnes. Moi, j'ai des couronnes qui pèsent, mais demain, ça sur ma tête. Ça va rester. Amen. Ça va rester. Toi aussi, travaille. Pour gagner des couronnes. Et le problème, c'est que le monde va vous rejeter. Le monde va vous rejeter parce que quand on reçoit Jésus, quand vous êtes rempli de Jésus, parce que Jésus n'a pas dit les Grecs. Je ne sais pas pourquoi les gens vous détestent. C'est désormais votre vie. Là où vous étiez applaudi, vous étiez aimé. Je ne vous connais pas, vous haïr. Ces amis vont commencer par vous fuir. Ne les cherchez pas. Si quelqu'un, si ces amis ne commencent pas à vous fuir, ne courez plus derrière eux. C'est ça, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Amen. Les forts à son nom, Barma Bartin, Jésus a fait un mal. Jésus. Amen. Donc, vous devez garder cette nouvelle identité jusqu'au retour de Jésus. Si à un moment donné, ça te dépasse. Si Jésus, Jésus, secoue-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Vous savez, moi, quand j'étais à un moment donné, j'étais jeune. Je ne savais pas, je ne marchais pas la foi. Vous savez ce que je faisais? Ma foi, j'avais tellement faim. Je ne pouvais pas manger. Amen. Je sortais de la rue, Seigneur, j'ai faim. Je dis, Jésus, j'ai faim, donne-moi à manger. Je vous dis, c'est vrai. Jésus est témoin. Je dis, Jésus, j'ai faim, donne-moi à manger. Je fuyais le sol. Et un jour, j'ai fait ça, j'ai trouvé 100 francs. Neuf. J'ai mangé, j'étais content. Je nourris ses enfants, il écoute ses enfants. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne mourras pas de faim. Jamais. Non. Tu ne peux pas mourir de faim. Donc si ça vient, si vous avez des moments difficiles, criez vers Jésus. Dis Seigneur, secoue-moi. Des moments de faiblesse, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, soutiens-moi. C'est ce que Dieu vous demande. Et vous allez voir. Vous allez réussir dans la vie. Vous allez fleurir. Amen. Amen. Vous allez porter des fruits en abondance. Alléluia. Donc voilà le code du nouveau royaume, le royaume des cieux. Que je vous présente. Okay. Amen. Le Seigneur va vous aider à comprendre. Alléluia. La parole de Dieu suivez vous. Tu ne peux pas sortir sans la parole de Dieu. C'est pas possible. Tu as jamais vu un sorcier qui sort sans ses pouvoirs? Toi tu vois papier, mais eux voient le feu. Et tant de Bible dans ton maillard, toujours avant ce qu'un tombe, en Bible n'est pas. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Malgré nous sommes aujourd'hui. Je sais que je vais rendre compte
au Bénin. Il dit vraiment qu'il est à battre le record. Alléluia. Amen. Ce que je disais à l'homme de Dieu, Joseph le baptiste, je disais, je suis tellement heureux de ce peuple. Je suis content de vous. Je ne pouvais pas vous dire ça. Bien que vous dormiez, Alléluia. Amen. Demain nous avons culte. Amen. Demain c'est un grand culte. Qu'on a jamais fait. Non, on mal de amen. Amen. Les fusions, ceux qui n'ont même pas espéré. C'est là où on parle des dons. Les dons. Les dons vont descendre demain. Ah, alléluia. Amen. Parler en anglais, c'est pas les dons. On ne fait pas encore les dons. Vous allez l'enfer, vous allez expérimenter les dons. Les dons de prophétie. C'est pourquoi, arrivez à la prophétie, Seigneur, révèle les dons qui sont en moi. Amen. Je veux prophétiser. Alléluia. Pour te servir, je veux recevoir les révélations. Je veux guérir les malades. Demain, soyez à l'heure, s'il vous plaît. Maintenant, vous savez que le retard, c'est plus votre habitude. Vous savez maintenant ça. Donc, déjà, il faut se laver. Si c'est à 6 heures, il faut se laver à 6 heures. Même la nuit, il faut se laver la nuit. Comme ça, tu ne sois pas. Il m'a dit que je continue à faire retard. Maintenant, c'est prière de 45. Alléluia. Le Seigneur va nous conduire demain. Ce sera un grand cul de diffusion, de consécration. Va consacrer son église, va établir son église. Toi aussi, prépare-toi. Habille-toi correctement. Amen. Habillez-vous. Habillez-vous correctement. Vous habillez-vous légalement, simplement. Simplement, au malgré simplement. On a compris? Ok, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton nom, papa. Oui, papa, ce défi a été relevé par ta main puissante. Ta main miraculeuse, ta main prodigieuse, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous ne croyons pas que cela pourrait être possible. Mais tu nous as dit, avec un peu de foi, vous ferez des grandes choses, Seigneur. Et par la foi, Seigneur Jésus, voici ce peuple que nous te présentons, Seigneur. Papa, je prie que le ciel soit toujours ouvert sur leur vie. Que leur nom ne soit point effacé dans le lit de vie. Papa, s'il arrive que tes enfants, papa, à cause des séductions du monde, à cause, papa, des persécutions du monde, tu les vois en train de prendre nos chemins. Je te prie que ta main les ramène sur le bon chemin. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, papa, que tes anges soient toujours sur eux. Tes anges veillent sur leur vie, veillent sur leur sommeil, dans tous les mouvements les plus simples. Que tes anges veillent sur leurs pas. Seigneur, que tout ce que ces enfants vont manger à part d'aujourd'hui soit sanctifié par ton sang. Amen. Je prie qu'ils aient la vie. Ils aient désormais la vie. Parce qu'ils représentent, Seigneur Jésus, oh papa, une armée puissante pour toi en Guinée. Seigneur, tu vas les utiliser pour impacter encore cette localité, ce pays, Seigneur Jésus, papa. Petit comme grand Seigneur, oh mon Dieu, quand ils vont commencer par parler, que des paroles de connaissance sortent de leur bouche, des paroles de sagesse sortent de leur bouche, que les païens se mettent à genoux et commencent par pleurer et disent que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Fais de ces instruments, papa, je te prie, qu'il ne manque pas, papa, de quoi manger, qu'il ne manque pas de quoi boire, amen, de quoi se vêtir, amen, oh papa, de quoi se loger, amen, amen, papa, amen, pouvoir toujours à leur puissance, amen, car c'est toi qui fais pleuvoir sur le champ du juste comme le champ du méchant. Alors papa, arrose leur vie, amen, de grâce et abondance. Seigneur Jésus, ils vont prendre le chemin du retour, papa. Que la force leur manque point. Seigneur, fortifie le corps. Amen. Quand ils vont se reposer, papa, parle-leur encore, Seigneur. Révèle encore ce que tu attends encore de chacun d'eux. Papa, nous te disons merci. Merci nous selon, oh papa, nous ce baptême dans ton sang. Amen. Amen. Papa, que le ciel garde ceci comme un souvenir. Amen. Lorsque nous serons avec toi ce grand jour, Seigneur, que tu fasses vivre cette image. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus. Jésus. Je
Je vais prendre ça. Oui. J'ai donné mon téléphone à qui? Samuel.